suis Anne Millet et je suis correspondante mutualiste au sein d'une collectivité territoriale du Loir-et-Cher depuis 13 ans. Le lien, c'est ce qui résume le rôle de correspondante mutualiste, le métier de gestionnaire de ressources humaines, les agents de la collectivité et la mutuelle. C'est une réunion d'information donc qui nous permet en fait d'actualiser nos connaissances sur tous les produits de la mutuelle et aussi les outils qui peuvent servir aux correspondants mutualistes. Hein. Chacun est assez détendu et se sent et a la liberté de s'exprimer. Comme on est tous souvent des gestionnaires de ressources humaines, hein, en fait, ça nous permet aussi de communiquer en fait sur nos différentes fonctions et de mettre en commun en fait nos problèmes aussi. Il y a un site qui est dédié aux correspondants mutualistes. Sur le site internet de la mutuelle, il existe donc un onglet boîte à outils dans lequel on peut trouver en fait un simulateur santé et aussi un simulateur prévoyance qui permet en fait à l'agent de pouvoir connaître la cotisation pour sa garantie maintien de salaire. Ça fait 20 ans que je suis correspondante mutualiste auprès de la Mutuelle. J'ai participé pour la première fois en 2014 au concours pour la MNT pour participer à ce voyage et j'ai eu la chance d'être tirée au sort. En Loir-et-Cher, les correspondants sont très actifs, donc très nombreux à participer au voyage sur le site internet. Donc on les sollicite, on les motive chaque année. Et donc comme ils sont nombreux à participer, chaque année on a la chance d'avoir quasiment un gagnant. Nous assistons à une prévention sur la santé par le sport. Cette animation, elle me permet de pouvoir, au niveau des agents, leur faire passer le message, en fait. Alors, soit par le biais d'un PowerPoint que je pourrais refaire passer lors d'une réunion du personnel, hein, ou par le biais aussi de diffusion de documentation. Ce qui est important pour moi, c'est tout ce qui est à base de relations humaines. Ce qui me plaît dans le fait d'être correspondante, c'est que c'est la continuité en fait du poste de gestionnaire de ressources humaines en fait.